Hey, regardez ça. Voilà le bâtard de ce vieux William Kidd. Encore qu'un gamin, mais... Déjà 10 fois plus redoutable que son père. Content de te voir ici, Kenway. Toujours tiré à 4 épingles? D'où vient cette tenue? Tu l'as volée à un dandy de la Havane? Non, mon ami. Je l'ai prise sur un cadavre. Celui d'un homme qui avait fait l'erreur de m'insulter avant de passer l'arme à gauche. Hein. Dis, j'entends dire que quelqu'un va mener une attaque contre une plantation. Tu ne cacherais pas des choses, toi? Sans grand succès. Tous les jours, des schooners débordant de sucre passent par ici en provenance des plantations voisines. La plupart s'arrêtent pour en vendre quelques caisses. Celui qui nous rend visite aujourd'hui te rapporterait un joli profit. Si t'as envie de piller sa plantation, je peux t'y mener. Je dis pas non. Cette plantation appartient bien à Beckford? Ouais, c'est ça. Il en possède des dizaines un peu partout dans ces villes. Cet homme est riche à en crever. Le genre que je prends plaisir à voler. Son agent est quelque part dans le secteur. Trouve-le, suis-le, et il te mènera à ta prise. Je vous l'accorde. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Malgré la discipline caractérisant votre entreprise, je vois que vous ne manquez pas de discernement. Well done. Mon Steven. Avec moi. Nous en avons fini ici. Aïe, ça. Où va-t-on? Nous retournons à la plantation pour faire l'inventaire de nos stocks. La récolte a été bonne cette année. Ne parlez pas si fort, monsieur. N'oubliez pas que nous ne sommes pas dans un port civilisé. Ne sois pas ridicule, mon ami. Je viens de croiser un étranger avec qui j'ai eu une conversation des plus agréables. Si vous le dites, monsieur. Donnez de la toile, les garçons. On rentre chez nous. Viens la signaler pour le petit car. Captain, tu m'as l'air d'avoir une idée derrière la tête. J'ai déjà vu ce regard. On peut rien te cacher, Adé. Je viens d'entendre un des hommes de Beckford parler de la grandeur de sa plantation et de toutes les marchandises qu'il y garde. Et ça m'a donné envie de m'en emparer pour les revendre à un prix qu'il n'osera jamais demander à ses clients. Ah, un visionnaire. Ton idée me plaît. Je sais que c'est un bon navire, alors prouvez-le-moi. Sur tribord! Ce putain nous tend les bras, capitaine! Faut rester discret. Ces eaux sont bien gardées. Attends, Adé. J'aime pas trop ce que je vois. Je les vois aussi. Pousse la toile, plus vite que ça! On va
va tirer profit de ce vent, je vous le dis. Serrez les manettes. Carguez la misaine. Andris, carguez. Carguez les bonnettes, vivement. Faites gonfler la grand voile. À vos espars, je veux de la toile. Toute la toile, il peut le supporter. Aux bonnettes, profiterons de cette bourrasque. À bâbord, un homme à la baille. Il a l'air d'être en vie. Je pense que le danger est écarté. Un navire approche, pièce en place. Je crois que c'est un cutter. Cette foutue Royal Navy. Un navire... Réduisez la toile. Audrice de Berg, tirez! Toute la toile au vent, lâchez tout! Déferlez huniers, perroquets et cacatois! Ferrez les manettes! Arisez la grand-voile! Carguez les perlets jusqu'au dernier pouce. On va tirer profit de ce vent, je vous le dis. Carguez les huniers et les perroquets. Mettez en pas. Cet homme travaille pour les gars de Peter Beckford. Tu les connais? Les Beckford et leur empire du sucre. Aïe. Les Beckford et les Drax. J'ai jamais travaillé pour eux, mais j'ai appris leur nom en entendant d'autres hommes les maudire. Et t'as travaillé dans une plantation? Une petite plantation. Comme bouilleur à la chaufferie. La chaufferie? On y fait bouillir de l'eau, ou autre chose? Les jus de canne. C'est pas facile de faire du sucre. Et c'est dangereux. Ça doit être pour ça que c'est aussi cher. C'est comment... de travailler jour et nuit dans une plantation? Eh bien, on coupe et on récolte les cannes. Puis on les fait passer entre deux rouleaux qui font sortir le jus de la plante. Une fois qu'on a récupéré le jus, on le fait bouillir dans une marmite en cuivre. Pour séparer l'eau du sucre. Et laisse-moi te dire une chose, mon frère. Je connais rien de plus chaud que le sucre bouillant. Ça te colle à la peau, et ça te laisse une cicatrice affreuse. Bon Dieu. Toute la toile au vent, lâchez tout! Le ciel noir et vert démonté par là-bas! Diminuez les voiles! Fermez tout! Carguez serré! Donnez-moi de la vitesse! Grimpez dans ces... C'est risqué de mouiller trop près. Les soldats qui surveillent la plantation vont nous voir. Alors plonge et nage à terre. On veillera sur le jackdaw. Vivement, les gars! Perlez ses voiles! Passer ici. À quoi rime ce désordre? Une petite fête, monsieur, rien de plus, c'est l'anniversaire de Wilmington. Et vous en profitez pour vous saouler durant le service? Ne vous en faites pas, monsieur, tout est en bon ordre. Nous serons bientôt fixés sur ce point, n'est-ce pas? Car vous allez doubler la garde dès ce soir. La doubler, monsieur? Mais pourquoi? Je pense que j'ai été suivi, et par des pirates, si mes yeux ne me trompent pas. Même si ce navire semblait trop grand pour de tels gredins. Ce n'étaient pas des négriers, pas avec un navire de cette taille. Quoi qu'il en soit, doublez la garde. Et surtout, rapportez le moindre comportement suspect. Toi là-bas, réveille-toi! Souviens-toi que tu as un travail à faire!
Mes excuses, monsieur, je vais ouvrir l'œil. Pour l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui ? Comment es-tu censé donner l'alarme, si t'es à peine capable de tenir debout ? J'aimerais parler à celui qui vous commande. Je demande à entrer dans l'entrepôt. Quel est le misérable parmi vous qui détient la clé de l'entrepôt, hein? La clé par tous les diables! Que quelqu'un m'apporte cette clé! N'y a-t-il pas une seule âme sobre par ici? Allez me chercher la clé de l'entrepôt! What's that in the thicket? Hey! And... Fancy bite.